Merci, chers amis, chers camarades. Quel magnifique accueil. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Il faut dire d'ailleurs qu'on a vu ça tout le week-end. Vous l'avez vu comme moi. On ne pouvait pas être partout, mais on l'a vu sur les réseaux sociaux. Des militantes et des militants gonflés à bloc un peu partout. On les a vus à Bruxelles, on les a vus à Liège, on les a vus dans le Hainaut, on les a vus dans le Brabant, dans le Namur, à Luxembourg. Et vous êtes aujourd'hui si nombreux et gonflés à bloc à Flagey où nous avons fait de si beaux meetings. Et c'est... Merci. Et c'est de très bon augure. C'est de très bon augure. Moi, quelque chose me dit déjà depuis quelques semaines, quelques mois, mais chaque jour un peu plus, quelque chose me dit qu'on va gagner. Mais bon, on va y revenir. On va y revenir. Alors, merci à nos formidables orateurs du jour. Elio, Caroline, Pierre-Yves, Christy, Ahmed, Ludivine, Fredo. Notre parti regorge de talents. On ne pouvait malheureusement pas écouter tout le monde, mais vous avez formidablement porté le projet du Parti Socialiste, rappelé l'ensemble de nos réalisations. Je voudrais aussi qu'on n'oublie pas, je sais qu'on n'oublie pas, mais c'est important de le dire, que derrière les figures du Parti Socialiste, il y a des hommes et des femmes, des collaboratrices, des collaborateurs qui travaillent dans les groupes, dans les cabinets, à la fédération, dans le parti, qui font dans l'ombre un boulot formidable. On peut les applaudir. Merci pour eux, parce que vraiment, vraiment, ils le méritent. Alors, chers amis, chers camarades, il y a 5 ans, vous m'avez élu comme votre président. Et je dois vous dire que c'est une fierté que j'éprouve chaque jour. J'ai adhéré au Parti Socialiste il y a un peu plus de 30 ans, quand j'étais étudiant. Et c'était l'aboutissement d'un long parcours personnel qui remonte pratiquement jusqu'à l'enfance. Comme beaucoup, beaucoup d'entre vous, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient des valeurs et des convictions politiques extrêmement fortes et qui étaient très engagés. Mon père venait de la région de Liège, ma mère était tournaisienne. Ils avaient décidé de s'installer à Charleroi pour être au plus près des luttes ouvrières et pour se mettre au service des hommes et des femmes qui souffraient en silence dans les quartiers populaires, à Roux, à Marchiennes, à Jumet. Toute ma vie, toute sa vie, mon père a soigné des mineurs qui souffraient de la silicose et qui crachaient leurs poumons. Il les a vus mourir les uns après les autres. Et c'est ce scandale, le scandale de voir des hommes qui ont tout donné partir avant l'heure, qui a nourri sa rébellion permanente contre l'injustice, sa volonté de se battre jusqu'à son dernier souffle. Toute sa vie, ma mère a défendu celles et ceux que la société avait oubliés, ceux que l'on faisait taire et qui ne comptaient pas, comme dit le chiffon rouge, des ouvriers brutalement licenciés, des locataires mis à la porte, des étudiants, des femmes battues, des détenus. Et aujourd'hui encore, elle donne le meilleur de son temps à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Mes parents nous ont emmenés, mes frères et sœurs et moi, dans toutes les manifestations, contre les missiles, contre l'apartheid, contre le racisme, pour la défense du peuple palestinien, déjà. Ils nous ont appris à chanter... Déjà, hélas. Mes parents nous ont appris à chanter l'International, le chiffon rouge et Bella Ciao. Ils nous ont raconté l'histoire des luttes ouvrières et des combats féministes et pacifistes. Et mon engagement, je le leur dois. C'est leur générosité qui m'a en donné l'envie de me battre à mon tour. Chacun arrive au socialisme à sa manière. Moi, j'ai découvert la politique à 15 ans. L'extrême droite venait de faire une percée en France. Et on sentait partout ressurgir le racisme. J'ai senti dans mon école des camarades de classe qui, jusque-là, n'avaient jamais ressenti cette impression, tout d'un coup avoir peur. Peur d'être brimé, d'être insulté, d'être méprisé.
peur d'être agressés à cause de leur origine, de leur couleur de peau et de leurs convictions. Et avec d'autres camarades de mon âge, nous avons décidé de nous battre. Nous avons fait signer des pétitions pour des écoles sans racisme. Nous avons vendu des badges, la petite main qu'on portait fièrement au revers de notre blouson à la place du cœur. Et 5 ans plus tard, malheureusement, c'est ici, en Belgique, que l'extrême droite est arrivée. Ce fameux dimanche noir de novembre 1991 qui a vu la première grande victoire de l'extrême droite en Flandre. Et à nouveau, j'étais atterré, mais je refusais de me résigner. Et j'ai rencontré d'autres étudiants qui partageaient ce sentiment. Avec eux, j'ai découvert ce que vous avez toutes et tous découvert un jour. La joie de se battre avec d'autres. Le sentiment de ne plus être seul. La force de l'engagement militant dans lequel se construisent aussi des amitiés qui durent tout au long de l'existence. Ils étaient de Bruxelles, de Liège ou de Charleroi, mais ils étaient surtout socialistes. Et c'est comme ça, le plus naturellement du monde, qu'à mon tour, je suis devenu socialiste, que tout d'un coup, j'ai découvert que je n'étais plus seul, que je comprenais que l'indignation que je ressentais au plus profond de moi, que la rébellion contre l'état du monde, le fol espoir de le changer, de le rendre plus beau, plus juste, l'envie de me jeter dans la bataille avec toutes mes forces, tout cela, des milliers d'autres le partageaient. Alors j'ai adhéré au Parti socialiste. J'ai payé mes timbres. J'ai reçu mon premier carnet. Je l'ai toujours, je le garde précieusement au fond d'un tiroir. J'ai compris surtout que mes craintes et mes espoirs, mes colères, mon impatience, que tout ça avait un sens. J'ai compris que tout ça s'inscrivait dans une histoire et dans un horizon. J'ai compris, comme vous avez tous compris un jour, que le monde dont je rêvais, un monde où personne n'est jugé en fonction de ses origines, de sa couleur de peau ou de ses convictions, un monde où tout enfant peut réaliser ses rêves, d'où qu'ils viennent, un monde où les femmes et les hommes ont les mêmes droits, un monde où les humains vivent en paix et en harmonie avec la nature. J'ai compris que ce monde-là, des millions d'hommes et de femmes en avaient rêvé avant moi et s'étaient battus pour le faire advenir. J'ai compris surtout que ce monde-là avait un nom. J'ai compris que ce monde-là s'appelait le socialisme. Parce qu'au fond, c'est ça, le socialisme. C'est une philosophie de la vie qui parle à ce qu'il y a de plus beau en nous. Il y a des gens qui pensent que la politique consiste à dresser les hommes les uns contre les autres. En fait, la majeure partie des gens pensent que la politique, c'est diviser, opposer, attiser, la jalousie, le mépris. Et oui, aujourd'hui, ils sont partout, les marchands de haine. Aujourd'hui, plus que jamais, ceux qui disent aux hommes « Votre malheur, c'est la faute des femmes ». Ceux qui disent aux blancs « Votre malheur, c'est la faute des noirs ». Aux jeunes « Votre malheur, c'est la faute des vieux ». Aux travailleurs qui ont un emploi, votre problème vient de ceux qui n'en ont pas. Aux gens en bonne santé, votre problème, ce sont les malades et les invalides. Ils sont partout, les marchands de haine, qui font commerce des souffrances du monde, qui divisent pour mieux régner, qui soufflent sur les braises du mépris et du ressentiment. Ils sont dans les partis de droite, ils sont dans les mouvements nationalistes, ils sont dans les cercles réactionnaires et dans les partis d'extrême droite. Ils colonisent les réseaux sociaux et les nouveaux médias. Mais, mes chers camarades, ils n'ont pas encore gagné. Et ils ne vont pas gagner parce que c'est nous qui allons gagner. Oui. Oui. Oui, nous allons gagner, parce que nous parlons à ce qu'il y a de plus beau dans l'âme humaine et qu'à la fin, c'est toujours la beauté qui gagne. C'est facile de parler à la haine et au mépris, mais ça ne conduit nulle part. C'est facile de réduire l'humanité à ses passions tristes, mais ce n'est pas la comprendre. Il suffit de se rappeler, il y a quelques années, il y a quelques mois, la pandémie, les inondations et l'immense élan de solidarité qui s'est formé spontanément. Il suffit de se remémorer les tremblements de terre au Maroc, en Syrie, en Turquie et la grande vague de mobilisation qui s'est formée pour soutenir les victimes. Nous souffrons avec tous ceux qui souffrent. Et quelque chose en nous nous porte spontanément à leur venir en aide. Eh bien, c'est à cette part-là de l'âme humaine que nous parlons, nous les socialistes.
Nous parlons au sens de la justice. Nous parlons au désir de liberté. Nous parlons à l'instinct de solidarité qui vibre en nous. Et ce sont des sentiments très puissants parce qu'ils sont universels. Nous vivons en nous la souffrance des autres. Mais nous vivons aussi leurs espérances. J'ai gardé de mon enfance un souvenir très puissant. C'était dans le quartier où je vivais avec mes parents à Roux. Une petite fille est venue me trouver un jour et m'a dit, avec un aplomb incroyable, « Moi, un jour, je serai docteur. » Elle s'appelait Aïché. Elle avait la peau mate et des yeux noirs, toujours un grand sourire. Son père avait quitté le soleil de l'Anatolie quelques années plus tard pour venir travailler dans les charbonnages à Farciennes. Sa mère l'avait rejoint quelques années plus tard et elle était née de cet amour à Charleroi. J'avais été frappé par sa confiance dans la vie. Et puis souvent, comme souvent ça se produit dans la vie, nous nous sommes perdus de vue. Et un jour j'ai reçu un message qui me disait « Salut Paul, je ne sais pas si tu te souviens de moi, je m'appelle Aïché. On était à l'école ensemble, à Roux, à l'école communale de la Bassée. Je vois que maintenant tu fais de la politique, c'est formidable. Moi je suis devenu médecin. J'habite à Bruxelles avec mon mari et mes deux enfants, mais je n'ai pas oublié Charleroi. Et je voulais surtout te dire que si j'ai pu réaliser mes rêves d'enfant, c'est en grande partie grâce à vous, les socialistes. Je n'y serais pas arrivé sans l'école et ces formidables enseignants qui m'ont donné confiance en moi. Je n'y serais pas arrivé sans les libertés syndicales qui ont permis à mon père de défendre ses droits. Je n'y serais pas arrivé sans la sécurité sociale qui a permis à ma mère de se soigner quand elle était gravement malade. Je n'y serais pas arrivé sans les services publics qui nous ont permis d'être logés dignement, de faire du sport, d'aller à la bibliothèque. Je n'y serais pas arrivé surtout sans l'exemple de milliers d'autres hommes et femmes qui ont un jour pu réaliser leurs rêves grâce à vous, grâce aux socialistes, grâce au travail des générations et des générations qui ont construit ce pays. Et je suis sûr que toutes et tous ici, vous pourriez raconter une histoire du même genre. Je suis sûr que tous et tous, vous connaissez une Aïché. Et ça, c'est sans doute la plus grande leçon du socialisme. Rien ne commence sans un instinct qui nous fait nous dresser contre l'injustice. Mais rien ne dure sans la solidarité et les institutions qui l'organisent à l'échelle des villes et des communes, à l'échelle des régions et du pays. Et si nous sommes, ici en Belgique, l'un des pays les plus prospères du monde, si nous avons l'un des systèmes de protection sociale les plus développés du monde, si nous avons des soins de santé qui sont reconnus comme les plus efficaces et les plus justes du monde, si nous sommes une terre de liberté, souvent pionnière dans les combats éthiques, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui, génération après génération, ont porté haut la flamme du socialisme. Et si nous sommes si attachés à notre pays, à ses régions, à sa sécurité sociale. Si nous nous battons corps et âme contre tous ceux qui veulent démanteler la Belgique, c'est parce que la solidarité entre les Belges, c'est nous qui l'avons construite et que nous en connaissons le prix mieux que personne. Alors oui, dans la campagne, nous allons le répéter et le répéter sans cesse. Avec nos camarades du Nord, nos amis socialistes flamands de Vaureuil, nous allons défendre bec et ongles ce que nos prédécesseurs ont bâti. Nous allons opposer un front déterminé à tous ceux qui voudraient mettre en cause la solidarité fédérale et les services publics. Parce que ils sont là, camarades, ils sont là, tapis dans l'ombre. À attendre leur heure, les nationalistes et les conservateurs, et ils ne s'en cachent même pas. Ils rêvent de nous chasser du pouvoir, de reformer une alliance pour défaire le monde que nous avons construit. Mais nous n'allons pas les laisser faire. Certains citoyens nous disent, et on doit y être très attentif, ça ne sert à rien d'aller voter, c'est toujours la même chose. Eh bien non, c'est pas toujours la même chose. J'ai pas très envie de parler des autres, mais souvenons-nous quand même un instant de la terrible régression sociale qui s'est abattue sur notre pays pendant les 5 années du gouvernement MRNVA. 5 très longues années. 5 années très sombres. Rappelons-nous que le monde avec les socialistes ou le monde sans les socialistes, c'est le jour et la nuit.
Sans les socialistes, les salaires n'ont pas été indexés et les travailleurs ont perdu sur une vie 40 000 euros du fruit de leur labeur. Avec les socialistes, les salaires ont été indexés et on a relevé pour la première fois le salaire minimum depuis 12 ans. Sans les socialistes, la TVA sur l'énergie avait été relevée de 6 à 21%. Avec les socialistes, elle est redescendue de 21 à 6%. Et des millions de ménages ont été aidés pendant la hausse des prix. Sans les socialistes, 2 milliards d'économies avaient été réalisées dans les budgets de la santé. Avec les socialistes, on a réinvesti 10 milliards, engagé des milliers de soignants et fait avancer la gratuité des soins. Sans les socialistes, les multinationales ont reçu des cadeaux fiscaux à foison. Avec les socialistes, on a rétabli une contribution sur la fortune pour financer les services publics. Sans les socialistes, c'est l'austérité à tous les étages. Avec les socialistes, on réinvestit dans la justice, la police, les transports en commun. On revalorise les salaires des militaires pour la première fois depuis 20 ans. Sans les socialistes, la pension était attaquée de toutes parts, transformée en une pension à points, une espèce de loterie qui aurait pénalisé en particulier les femmes. Avec les socialistes, la pension minimum a été relevée au-delà de 1640 euros et les inégalités dont les femmes sont victimes ont été corrigées. Et puis n'oublions pas que sans les socialistes, les personnes qui venaient en aide aux candidats à l'asile étaient menacées de visites domiciliaires et de sanctions. Avec les socialistes, il n'y a plus un seul enfant détenu dans les centres fermés. Alors oui, il y a une gauche et une droite. Oui, sans les socialistes, les inégalités explosent et la société se divise. Avec les socialistes, l'injustice recule et les libertés avancent. Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons jamais prétendu l'être. Qui l'est ? Ceux qui prétendent l'être souvent ont bien des défauts à cacher. Mais nous sommes un parti solide qui a traversé les crises et les guerres, qui a toujours protégé les citoyens quand le ciel s'assombrissait. Nous sommes un parti solidaire qui a toujours défendu celles et ceux qui, sans nous, auraient été oubliés. On ne promet pas la lune, on ne dit pas aux gens qu'il suffit de claquer dans les doigts pour que le monde change, parce qu'on sait que ça n'est pas vrai et parce qu'on respecte l'intelligence des citoyens. Mais on prend chaque fois des engagements clairs et forts, après avoir longtemps discuté, réfléchi, débattu entre nous. Et quand les citoyens nous accordent leur confiance, nos engagements, nous les tenons. Quand on le dit, on le fait. On l'a dit, on l'a fait, on le dit, on le refera. Alors, au cœur de notre programme, ceux qui sont exprimés avant moi l'ont dit, il y a le travail. Parce que nous croyons dans le travail. Nous croyons que le travail, c'est donner le meilleur de soi-même. Grâce au travail, on se sent utile, on se sent reconnu. On se forme des amitiés, une vie sociale. On se construit des droits, une dignité. Et pour les hommes et les femmes que nous défendons, nous, les socialistes, le travail est souvent la seule planche de salut. Certains ont la chance d'être nés dans des familles qui avaient de l'argent, des relations, des connaissances qu'ils se transmettent de génération en génération, tant mieux pour eux. Mais tous les autres ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et c'était ça aussi le message d'Aïché. Si elle est devenue ce qu'elle est, c'est grâce à la solidarité que nous avons construite, nous les socialistes. Mais c'est aussi grâce au travail de ses parents. Son père a quitté son pays, son village, sa famille, le soleil et les paysages de son enfance pour travailler au fond des mines. Il a tout donné pour que ses enfants puissent avoir une vie meilleure que la sienne. Sa mère a fait des ménages toute sa vie, tout en élevant ses enfants. Ils voulaient l'un et l'autre mettre de l'argent de côté pour que leurs enfants puissent faire des études. Ils ont accepté des horaires difficiles, des tâches pénibles, des contrats précaires, des salaires de misère. C'est ça la réalité du travail pour une grande partie des hommes et des femmes aujourd'hui. Les conservateurs n'ont que la valeur travail à la bouche, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. La moitié du monde, c'est vrai, et tant mieux, vit bien dans son travail. Mais l'autre moitié du monde souffre de l'absence du travail,
ou souffrent du travail. Et si nous plaçons le travail au cœur de notre projet, c'est précisément parce que nous savons, nous les socialistes, combien le travail est la clé de l'émancipation. Mais c'est aussi parce que nous savons combien dans la réalité du monde, des millions d'hommes et de femmes endurent le travail au quotidien. Nous voulons que chacun ait un bon contrat qui protège ses droits. Nous voulons continuer à soutenir toutes celles et tous ceux qui créent de l'emploi, les entrepreneurs, les vrais, ceux qui cherchent d'autres manières d'organiser la production, qui tiennent compte du bien-être de leurs travailleurs, qui les associent à leurs projets. Et nous voulons, oui, nous voulons continuer à relever les salaires, les bas et moyens salaires et le salaire minimum en particulier. Nous avons proposé une réforme fiscale qui permet à des millions de salariés en Belgique de gagner 300 euros net en plus chaque mois. On nous dit déjà, là, à droite et chez les commentateurs conservateurs, c'est impossible, c'est impayable, il n'y a pas d'argent. Et moi, j'ai regardé et j'en ai trouvé de l'argent. Les entreprises que nous avons aidées pendant la crise, et il fallait le faire pour sauver l'emploi, eh bien, elles voient leur marge bénéficiaire augmenter depuis 2 ans. Et elles distribuent de plus en plus de dividendes à leurs actionnaires. Alors oui, s'il y a de l'argent pour les actionnaires, il y en a pour les travailleurs. C'est une question de choix politique, c'est une question de priorité. Et pour nous, c'est la priorité. Parce que nous savons combien il est difficile de vivre avec 1 800 ou 2 000 euros par mois. Quand on a payé son loyer, ses factures d'énergie, quand on a payé les taxes et les assurances, quand on a payé sa voiture, et qui les frais des enfants, et qu'il ne reste plus que quelques euros par jour pour vivre, quand on doit tout compter, quand on ne peut plus s'offrir le moindre petit plaisir, alors la vie est vraiment difficile. Et ça n'est pas normal quand on travaille tous les jours. Ça n'est pas normal quand certains patrons s'octroient des salaires à plusieurs millions d'euros et que les multinationales distribuent généreusement des dividendes à leurs actionnaires. Alors oui, chers amis, chers camarades, je vous le dis, il faut le rappeler, ce sont les travailleurs qui créent la valeur et ils doivent pouvoir vivre décemment de leur travail. La bataille ! Et oui, chers amis, chers camarades, la bataille des salaires sera pour les socialistes la priorité des priorités. On doit pouvoir vivre bien de son salaire. Et nous nous battons aussi pour la vie personnelle. Nous savons que pour beaucoup d'hommes et de femmes, le travail laisse trop peu de temps pour soi et pour ceux qu'on aime. Depuis toujours, avec nos camarades des organisations syndicales, nous nous sommes battus pour la réduction du temps de travail. Et nous allons continuer à le faire. Notre idéal, c'est la semaine des 4 jours, en 32 heures, avec embauche compensatoire et sans perte de salaire. Mais nous avons l'honnêteté de dire qu'on n'y arrivera pas d'un coup, que c'est un combat qui s'inscrira comme toutes les grandes batailles dans la durée. Mais il faut d'ores et déjà, dans les prochaines années, faire de grands pas dans cette direction. Il faut permettre, par exemple, aux jeunes parents, non seulement d'avoir un congé de naissance plus long, mais aussi de réduire leur temps de travail quand les enfants sont petits, pour leur donner tout le soin et tout l'amour dont ils ont besoin. Il faut permettre aux travailleurs de plus de 55 ans, qui commencent à fatiguer, de bénéficier de 3 jours de repos par semaine pour rester en bonne santé le plus longtemps possible. Il faut permettre à tous les travailleurs, quel que soit leur âge et leur situation, de jouir de quelques jours de congés personnels par an, en plus des congés payés. Quelques jours pour garder les enfants quand ils tombent malades, quelques jours pour s'occuper de ses parents, quelques jours pour faire des démarches urgentes ou quelques jours tout simplement pour profiter un peu de la vie parce qu'on a tous droit au bonheur. À côté du travail, la sécurité sociale est aussi pour nous et depuis toujours une priorité essentielle. Nous l'avons construite au fil de longues luttes et nous ne cessons jamais de l'améliorer. Vous le savez, nous avons relevé la pension minimum et toutes les bases d'allocation de plus de 300 euros net par mois. Et les institutions publiques nous disent que grâce aux mesures que nous avons prises, pour la première fois depuis 30 ans,
la pauvreté a reculé en Belgique. Et bien ça, pour nous les socialistes, c'est une immense fierté. Mais ce n'est jamais assez. On n'en fait jamais assez dans la lutte contre la pauvreté et contre la précarité. Et nous savons que trop de femmes et d'hommes vivent encore aujourd'hui à la frontière de la précarité. Ce qui, dans un pays aussi riche que le nôtre, est une absurdité et un scandale. Alors oui, nous allons continuer à nous battre pour que tout le monde puisse jouir d'une pension digne. Nous allons rappeler que le droit d'être soutenu quand on est en difficulté, ça a été dit, est un droit personnel, individuel et universel, et qu'il est temps de supprimer l'odieux statut de cohabitant. Et en fait, nous avons commencé à le faire. Nous l'avons fait ces dernières années pour les personnes en situation de handicap. Trop souvent, nous avions entendu des personnes nous dire « J'ai rencontré l'amour, mais je ne peux pas vivre avec la personne que j'aime parce que je risque de perdre une partie de mes revenus. » C'est terrible d'entendre ça. C'est terrible de se dire que des règles administratives empêchent d'aimer, empêchent de vivre son amour. Alors on l'a supprimé. On l'a supprimé pour les personnes en situation de handicap et on le supprimera dans les prochaines années pour tous les autres. Nous voulons aussi, chers amis, chers camarades, redonner du souffle et de l'ambition à la sécurité sociale. À droite, on voit la sécurité sociale comme un mal nécessaire, comme un filet de sécurité. On dit que ça coûte trop cher, qu'il faut réduire les dépenses. Pour nous, au contraire, la sécurité sociale, ce n'est pas un coût. La sécurité sociale, c'est un investissement. C'est un investissement dans l'humain. C'est un investissement dans la dignité. C'est un investissement dans l'émancipation. C'est un investissement dans la santé collective. Alors oui, nous voulons faire, Caroline l'a dit, nous voulons faire de l'éradication de la pauvreté des enfants une grande cause nationale. Et c'est un sujet grave et sérieux. Grâce aux investissements que nous avons portés ces dernières années, la pauvreté des enfants a reculé d'un tiers. Grâce à la gratuité des écoles et des repas scolaires, grâce à la quasi-gratuité des transports en commun, grâce aux allocations familiales majorées, grâce au relèvement des allocations de base et du salaire minimum, grâce au meilleur remboursement des soins de santé, grâce à tout ça, la pauvreté a reculé, et reculé significativement ces dernières années. Eh bien, si nous l'avons fait, nous pouvons continuer à le faire. Et si nous nous en donnons les moyens, nous pouvons l'éradiquer définitivement en l'espace de 10 ou 15 ans. Si nous amplifions le mouvement que nous avons entamé, nous pouvons y arriver. Et je pense qu'il faut vraiment, dans cette campagne, nous dire que nous allons en faire une grande ambition pour les socialistes et, je l'espère, une grande cause nationale. Que pour une fois, on dépasse les frontières entre les niveaux de pouvoir et les querelles entre les partis. Que pour une fois, on se donne une grande ambition pour notre pays. Que l'on fasse de la Belgique le premier pays au monde à avoir définitivement supprimé la pauvreté infantile. Voilà le genre d'ambition que nous avons pour notre pays. Nous poursuivons aussi, chers amis, chers camarades, le combat que nous menons depuis toujours pour la santé. La pandémie l'a rappelé à celles et ceux qui l'auraient oublié. C'est notre bien le plus précieux. Elle est fragile, elle doit être protégée. Et nous ne vivons plus longtemps que grâce au travail des soignants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes jour après jour. Et ce travail-là, il n'est jamais achevé. Trop souvent, vous entendez comme moi des gens dire « j'ai pas pu aller me soigner par faute d'argent ». Trop souvent, vous entendez des gens dire « j'attends un rendez-vous chez un spécialiste depuis 3 mois, on me propose d'aller dans une clinique privée, mais je n'ai pas les moyens ». Nous ne pouvons pas tolérer ça. Nous ne pourrons jamais tolérer que le système de santé universel que nous avons mis en place devienne petit à petit une santé à deux vitesses. La santé, c'est pour tous et pour tout le monde, avec les mêmes droits, d'où qu'on vienne, d'où qu'on soit, et quelle que soit sa situation. Et nous n'oublions pas non plus la force et la puissance des services publics qu'Ahmed a si bien évoqué tout à l'heure. Il y a beaucoup de municipalistes aujourd'hui dans la salle. Alors, quand on est engagé à l'échelle locale, on sait ce que c'est les services publics. On sait tous les services qu'on rend au quotidien à nos concitoyens. Et on sait aussi
que si on veut être à la hauteur de la transition climatique, si on veut porter haut nos ambitions écosocialistes, on aura puissamment besoin des services publics. Le problème de la justice climatique aujourd'hui, il est simple, c'est que ce sont les plus riches qui polluent le plus et que ce sont les plus pauvres qui sont le plus souvent victimes de la pollution. Nous savons, nous, que seule une action collective, résolue, s'appuyant sur des services publics forts, peut donner force à nos idéaux de justice climatique. Nous avons commencé, nous poursuivrons les grands chantiers pour isoler les écoles et les logements, pour déployer toujours plus les parcs et les jardins, pour développer les cantines publiques, soutenir nos producteurs et nos agriculteurs locaux, pour étoffer l'offre de transport en commun dans les villes et dans les campagnes et les rendre accessibles à tous. Et puis les services publics, ça a été bien rappelé tout à l'heure aussi, c'est aussi un enjeu sur lequel nous devons nous faire entendre plus clairement. C'est l'enjeu de la sécurité et de la justice. La droite se présente souvent comme le garant de l'ordre, mais les faits le démentent. Sous le gouvernement MR-NVA, les budgets de la police et de la justice ont subi des coupes claires. Nous avons perdu des centaines de magistrats et plus de 1800 policiers. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu exploser les trafics et la criminalité. Il a fallu que nous revenions aux responsabilités pour que l'on réinvestisse enfin dans ces départements. Et nous le faisons avec conviction, parce que nous savons que les publics les plus vulnérables sont les plus exposés à l'insécurité. Nous le faisons par expérience, parce que comme élus engagés sur le terrain local, nous voyons au quotidien les ravages terribles que causent le trafic de drogue, les violences conjugales, l'insécurité routière. Oui, la sécurité est le premier des droits de l'homme. Et oui, les socialistes continueront à se battre pour une sécurité pour tous. Et nous n'oublions pas, chers amis, chers camarades, les droits et libertés. Et là, je dois vous avouer que je nourris de vives inquiétudes. Vous le voyez comme moi, partout en Europe, l'extrême droite, qui soit est au pouvoir dans 6 pays de l'Union européenne, qui aurait imaginé ça il y a quelques années encore, l'extrême droite qui a gagné les élections, qui est en tête des sondages chez tous nos pays voisins, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, et même ici en Belgique, en Flandre, c'est un danger démocratique qu'on aurait tort de sous-estimer. Il suffit de voir ce qui se passe dans ce pays que nous aimons tant et qui est en train de dériver, l'Italie. Il suffit de voir comment l'extrême droite s'attaque chaque jour aux droits et aux libertés. Les migrants ont été les premières victimes, bien sûr, mais elles ne sont pas les seules. Le gouvernement de Mme Meloni a supprimé, figurez-vous, supprimé l'équivalent du revenu d'insertion sociale et plongé des dizaines de milliers de familles dans la misère la plus absolue. L'extrême droite s'attaque toujours aux pauvres. L'extrême droite remet en cause le droit des femmes à disposer de leur corps en rendant dans les faits la possibilité de faire un avortement de plus en plus difficile. L'extrême droite s'attaque toujours aux femmes. L'extrême droite s'attaque aux personnes LGBTQIA+. L'extrême droite s'attaque toujours à la différence. L'extrême droite s'attaque aux libertés syndicales. Et pendant ce temps-là, on voit des milices fascistes parader dans l'espace public en toute impunité. C'est, chers amis, chers camarades, un péril majeur. Non seulement parce que l'extrême droite détruit en quelques jours, en quelques semaines, ce que nous avons mis des années à construire, mais aussi parce qu'elle contamine les esprits, comme on l'a vu en France avec la trahison de la loi sur l'immigration, comme on le voit chez nous dans les propos de certains à droite et chez les nationalistes, où on ne voit plus toujours très bien la différence entre l'extrême droite et la droite radicale. Eh bien, à ça, on doit être extrêmement attentif. Et nous devons dire et répéter, en cette année où nous avons célébré le 100e anniversaire de la mort de Matteotti, qui s'est battu contre le fascisme jusqu'au bout, en cette année où nous avons célébré le 50e anniversaire de la mort d'Allende, assassiné par les fascistes au Chili, que les socialistes, jusqu'au bout et toujours, se battront contre le fascisme. Et chers amis, chers camarades, nous n'oublions pas la solidarité internationale. Depuis les tout premiers jours, les socialistes ont toujours soutenu les peuples qui luttaient pour la liberté. Nous avons été aux côtés
des Italiens, des Espagnols, des Portugais et des Grecs quand ils luttaient contre le fascisme. Nous nous sommes battus avec les peuples colonisés qui demandaient leur indépendance. Nous avons défendu les Polonais et les Hongrois quand ils étaient opprimés par les communistes soviétiques. Nous avons accueilli les Chiliens après l'assassinat de Salvador Allende. Nous avons hébergé il y a quelques mois les réfugiés ukrainiens qui fuyaient la dictature de Poutine. Et nous soutenons tous les opposants russes à la dictature de Poutine. Nous sommes aussi, depuis 75 ans, aux côtés du peuple palestinien. Et aujourd'hui plus que jamais, nous avons condamné sans réserve les attentats terroristes commis par le Hamas le 7 octobre et exigé la libération immédiate des otages. Mais depuis des mois, c'est le peuple palestinien qui vit une tragédie absolue. Les attaques de l'armée israélienne dans la bande de Gaza ont causé plus de 28 000 morts, principalement des femmes et des enfants. Et l'offensive israélienne qui se prépare contre Rafah laisse présager le pire. Dans le silence assourdissant de la communauté internationale, trois hommes ont porté une parole forte. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol. Quel est le point commun entre ces trois hommes? Ils sont tous les trois socialistes, et ce sont les socialistes qui ont porté sur la scène internationale ces combats. Ils ont défendu nos camarades. Ils ont dénoncé avec force les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés par le gouvernement israélien et appelé à reconnaître sans délai l'État palestinien. Nous sommes pleinement, intégralement à leur côté. Le risque de génocide aujourd'hui n'est plus une hypothèse. C'est une réalité reconnue par la Cour internationale de justice. La tragédie se déroule sous nos yeux et elle doit être arrêtée immédiatement en utilisant contre le gouvernement Netanyahou tous les moyens du droit international. Le peuple palestinien se meurt et plus que jamais, nous socialistes, nous sommes à ses côtés. Alors, chers amis, chers camarades, aujourd'hui, en ce jour de lancement de campagne, nous pouvons être fiers. Nous pouvons être fiers de nos valeurs, fiers de notre histoire, fiers des femmes et des hommes qui les portent. On nous dit souvent que nos idées sont trop ambitieuses. On lit déjà dans les journaux que les socialistes ne sont pas réalistes. Va bien falloir s'habituer au fait que les caisses sont vides. On nous invite à nous résigner, en somme, à accepter le monde tel qu'il est. Mais ça ne nous impressionne pas. Ça ne nous a jamais impressionnés. Cette rengaine, on l'a entendue mille fois. Et mille fois, nous avons trouvé au fond de nous l'espoir et la volonté de nous battre. Quand les mineurs du Borinage se sont dressés pour le droit de manifester et de faire grève, beaucoup n'y croyaient pas, mais ils se sont battus et ils l'ont emporté. Quand les ouvriers de Liège sont entrés en grève pour le suffrage universel, beaucoup pensaient que c'était peine perdue, mais ils ont livré bataille et ils l'ont emporté. Quand les soldats sont rentrés du front de la Grande Guerre, nous avons exigé la journée des 8 heures, la pension pour tous, la protection contre le chômage et la maladie, le logement social, les transports publics, l'indexation des salaires et les congés payés. On nous a ri au nez, mais on s'est battu et on l'a fait. Quand dans les maquis de la résistance, nous rêvions d'un grand pacte social, d'une protection contre le chômage et la maladie, d'un service universel de santé, on nous traitait de fous, mais nous avons fait front et nous l'avons fait. Quand les ouvrières de Herstal ont exigé le même salaire que les hommes, on s'est moqué d'elles, mais elles ont résisté et elles ont gagné. Quand nous avons voulu faire du racisme un délit, donner aux femmes le droit de disposer de leur corps, exiger la laïcité de l'État et des libertés en masse, on nous a méprisés, mais nous l'avons fait. Quand on a exigé le refinancement des soins de santé, la hausse du salaire minimum, le relèvement des pensions et des basses allocations, on nous a pris pour des rêveurs, mais nous nous sommes battus et nous l'avons fait. On l'a dit, on l'a fait. Tels nous sommes, chers amis et chers camarades. Tels nous sommes et
Tels nous sommes et tels nous resterons, les pieds dans la glaise, la tête, toujours les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles, fidèles au combat de ceux qui nous ont précédés et gardiens des rêves de ceux qui nous suivront. Les temps sont durs, mais nous savons nous battre. Et toute notre histoire montre qu'impossible n'est pas socialiste. Nous l'avons fait hier, nous l'avons fait avant-hier, nous le faisons aujourd'hui et nous le referons demain. Les engagements que nous avons pris il y a 5 ans sont devenus réalité. Et je le dis aux Wallons et aux Bruxellois, en le regardant droit dans les yeux, si vous nous faites confiance, les engagements que nous prenons aujourd'hui, nous les tiendrons. Si vous nous faites confiance, si vous apportez votre voix aux socialistes, on augmentera les salaires, on réduira le temps de travail, on soutiendra les pensions et les soins de santé, on investira dans les services publics et la protection de la nature. Nous l'avons fait hier, nous le referons demain. Alors, chers amis, chers camarades, il est temps. Il est temps de partir en campagne, ça nous démange, on n'attend plus que ça. Allons-y, allons par les rues, allons par les quartiers, allons à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui vivent dans la solitude. Disons-leur, tu n'es pas seul. Disons-leur, les socialistes sont à tes côtés. Disons-leur que depuis 140 ans, nous sommes solides et solidaires. Et ensemble, allons vers la victoire. Merci, chers amis. Merci, chers camarades. Merci. Merci. Una mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, ti diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano.